allons passer au témoignage rapidement avant de poursuivre. Nous allons passer au témoignage. Ceux qui veulent rendre témoignage, il y a Madame Kwadjo, il y a Godé Alex, Godé Alex, Kanga Christine, Kanga Christine, Masanje, Masanje, Kessé Deborah, Kessé Deborah, Kessé Barou Deborah. Yes, Kessé Barou Deborah. On a besoin de témoignages rapidement. We need your testimonies rapidly. Namadio, Kanakasio, Kanakasi Abenatio, Kanakasi Abenade. Soyez pas trop long. Voilà. Bon, mon nom c'est Godé Alexis. Regardez toi avec la caméra. Je vais vous parler. C'est ma première fois de venir ici. C'est une grande soeur qui m'a amené ici. Je suis venu pour un problème. Après la délivrance, à partir de 4h du matin, ça a commencé à aller. Donc, monsieur, je remercie de t'aider. Expliquez qu'est-ce qui a commencé à aller. Vous avez quoi? C'est un sort, ils m'ont lancé pour ne pas me marier. Quoi. Donc, après la délivrance, à partir de 4h du matin, ça a commencé à fonctionner. Qui fonctionne? Reprends le témoignage. Répète, le test. Tu n'as rien dit? Voilà. Bon. Ah, monsieur. Je m'appelle Godé. Tu peux pas avoir honte de ça. Je m'appelle Godé, c'est quoi? C'est ma première fois de venir ici. Si ça a fonctionné 4 heures, c'est que c'est vraiment guéri. Parce qu'à 4 heures, il doit avoir un mouvement. Les jeux des jambes à 4 heures. Ça, allons-y. Bon, je m'appelle Godé Alexis. C'est ma première fois de venir ici. Quoi. C'est une grande soeur qui m'a amené ici. Quoi. Qui m'a montré ici. Donc, après la délivrance. Non, tu avais quoi? Un sort est balancé. Non, laisse un peu de sort. Voilà. Ton truc là, c'est les épas. Voilà. Mon truc, ça ne te fout pas. Quoi. Hein? Ton sexe. S'il ne l'avait pas. Voilà. Mais ça dort seulement. Depuis quand? Ça a duré avec moi. Ça a duré. Ah ça dort, tu ne peux pas te marier. Voilà. Et tu es là pour ça, tu dors. 4 heures même, ça ne fait rien. Hein? Je ne vais pas mentir, ça ne fait rien. On a versé lui sur toi. Ouais. C'est s'élever. D'accord, le Seigneur. Il avait le même problème que toi. He had the same problem with you. Quand il s'est levé à 4 heures, when he came up, il cherche dans le village. Il est venu voir le prophète. He came and see il dit the vraiment, prophet. Il ne croit pas. Non, mais il a vu. Believe. J'ai dit, bon, j'ai tué ça. Parce que tu n'es plus sage. Because no wife, si tu arrives chez ta femme là-bas, if you go and quand il s'est levé, meet your wife, et ça dormit. Mais pourquoi? Il n'était plus sage. He was not wise. Il est né bête, il veut essayer. He was wise. He wanted to try. Pour le tuer. Effectivement, qu'il est arrivé chez sa femme, c'est s'est levé. C'est elle qui a besoin de ça. Donc, il faut être sage. Hein. Tu as compris? Ça fait combien d'années tu ne fais pas? Combien d'années? Ça dure un mois. Non, combien d'années? Ça fait 10 ans, 20 ans. Ça a dépassé 10 ans. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans. Mm-hmm. Donc maintenant, ça s'est levé. Ça s'est levé à 4 heures, ça s'est levé bien. C'est bien dressé. Non, c'est bien dressé. Tu s'est levé. Tu as senti la force dedans. Did you feel the strength in it? Tu sais que ça a marché. On acclame le Seigneur.
C'est fini. Va. Si ça se lève pas à 4 heures, c'est que j'ai un problème. If your sex doesn't work, 4 heures, ça doit arriver. Vous voyez, ça a fallu de 4 heures que le corps de l'homme se réveille. Les portes de la journée se réveillent. Donc si le monsieur, ça c'est, il a un problème à 4 heures du matin, il faut l'envoyer sur lui. On va verser le chili. So that we can pour anointed oil on him. Oui. Si 4 heures, ça c'est exact. Envoyez-le ici. If it doesn't work, on va verser notre huile. Notre huile la soigne tout. Faut être sage, hein. Parce que si c'est levé là, faut être très sage. Oui, le micro. Eh, parlant du là. Ok, très bien. Je m'appelle Chérif Fatou. Oui, c'est Djoula. Je suis Djoula Koyaba. Tu es musulman. Ok. J'ai dit ces précisions là. Maman Bata Asirela. Comme il était malade là, tu es bien à la Asirela. Il dit non, il est resté en douce. C'est ça, il y a sa caméra, c'est le faux. Il y a sa soeur, il y a sa caméra, c'est le faux. Elle a. Elle t'appelle chef, Mariam quoi? Chérif Fatou. Fatou, tu avais quoi? What did you have? Quand il est vendu au marché, voilà. Il a vu quelque chose à la place, il est ramassé. Fétiche, ouais. C'était sang et puis collier, de toute façon, il est ramassé. Ouais. Quand il est ramassé maintenant, non, j'ai commencé à pleurer. Depuis le jour-là, non, quand les gens me regardent là, les gens ont peur de moi. Donc, ils disent quoi? Il dit ma figure de façon. Donc, je n'ai pas considéré. Mais maintenant, ça a chauffé. C'est ça, il dit à maman que, comme nous sommes au village là, il faut m'envoyer à Tidjéi. C'est ça, elle m'a envoyé à Tidjéi. Elle m'a envoyé à Tidjéi. Quand ici, là, quand les gens me regardent, les gens vont peur de moi. C'est ça, un jour, je dormais la nuit. Je suis là, je dors. J'entendais sur ma tête. Oh, quoi? Trois fois. Maintenant, si elle est sous moi comme ça. Maintenant, il y a un truc. C'est comme quoi, même là. Ça fait bon, c'est venu dans mon cœur. Ça tire mon cœur. Ça tape mon dos. Maintenant, le matin, il me lève. Il fait comme ça, il ne va pas sans. Il est là, ma fille, il fait comme ça. C'est noir. Maintenant, les gens me regardent. Ils ont peur de moi. Maintenant, après, maman est venue. Maman dit, hé, Fatou, tu as quoi? Toi, tu fais tout pour moi, là. C'est toi qui as pas pu me laisser. Il dit, je suis quelqu'un, mais là, il s'y parle. Elle dit, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il a dit à maman comme cela. Non, quand tu es venu ici, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, quand on est parti en Russie, on dit que je suis morte. Que son corps est enterré. Et là, je mange, je vais m'enterrer comment? Et ça, on dit que quand je suis morte, mais je n'ai pas encore couché. Maintenant, quand mon ancêtre est mort, mais la personne m'a lancé son mais je suis morte. Maintenant, il est caché à ma patte. Maman, elle a essayé de tête. Elle a caché de tête. Il n'a pas dit à maman. C'est ça, il y a une tante là. Elle dit que comme ça, nous voulons la série là pour aller me voir. C'est ça, ma tante là qui a dit qu'elle n'a pas venu ici. C'est ça, ma tante là a dit qu'elle n'a pas me fait. Je vais dire à maman. Et tout ce que je suis mort, je ne vais pas dire à maman. Que je vais me faire sortir. Maintenant, la nuit, quand il fait nuit comme ça, il regarde le ciel là. C'est noir. Ouais, tu ne vois pas l'étoile. Je ne vois même pas que les choses sont noires. Maintenant, tu bouges là, je ne vois pas ça. Et là, je suis mort, mais quand je marche là, donc là, je suis là encore. Donc, il regarde ma figure. Je ne vois pas, mais c'est la figure des cadavres. C'est ça, elle s'est venue. Elle dit, comme ils ont dit ça, elle est venue chez tonton, elle est venue chez papa. Elle s'est venue, elle dit, comme je n'ai pas là, elle est venue, c'est ça. Elle s'est venue, papa, il a prié pour moi avant, tu es malgré tout. Il a soufflé mes yeux deux fois. Deux fois, quand il a soufflé mes yeux, là. Il s'est tourné un peu, il fait nuit maintenant, il regarde en haut. Je dis, quelqu'un est venu me taper encore bouillir sous mon dos. Il n'a pas vu étoile là encore. Il n'a pas dit à maman. Maintenant, tu vas voir étoile là. Quand? La puissance de Dieu. The power of Jesus. La puissance de Dieu. The power of Jesus. La puissance de Dieu. The power of God. 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 La puissance de Jésus. The power of Jesus. La puissance de Jésus. The power of Jesus. Te délivre. La puissance de Jésus.
power de délivrer, sa puissance is power te libère. Release. Sa puissance is power te libère. Release. La puissance de Jésus the power te délivre. La puissance de Jésus the power te délivre. Sa puissance te libère. His power release. Sa puissance te libère. His power release. Sa puissance te délivre. His power release. Sa puissance te libère. His power release. Sa puissance. His power. Come on, come on. Allez, go. Fire. You libère ton âme. I release yourself. Come, I command. Fire. Je libère ton âme. Release yourself. Je libère ton âme. I release yourself. Je proclame. And I claim. Je proclame. And I claim. Ta délivrance. Your deliverance. Je proclame. I claim. Ta délivrance. Your deliverance. La main de Dieu. The hand of God. Te guérit. Is releasing. Te guérit. Is releasing. Te guérit. Is releasing. Te guérit. Is releasing. Te guérit. Is healing you. C'est fini. Te guérit. So. Ce matin, c'est de rendre gloire à Dieu. L'année passée, cette même seconde, je fais 3 mois ici. Avant mon mariage, j'ai eu un mal. Mon nom, c'est Madame Kouadjou. J'étais bien contente. Après janvier, après mon mariage, j'ai eu un mal de ventre. Ou quand je venais, je faisais couper. Et j'ai trouvé le frère Joël. C'est lui qui m'a reçu. Et il m'a donné les instructions, il est parti au secrétariat pour payer lui. Quand le pasteur Philippe me faisait le bain d'huile, je ne pouvais pas, en tout cas, je ne pouvais pas respirer. Et lui-même, il m'a demandé, tu es chrétienne? Je dis oui. Est-ce que tu es chrétienne? Quand sa question m'énervait, je dis, il faut faire le bain, je vais quitter là. Et une chose, quand je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas boire de l'eau. Et il a dit, ouvre ta bouche. Il a mis l'huile 3 fois dans ma bouche, j'ai avalé. Et après, il a fait le bain d'huile. Pour aller casser la bouteille, je suis partie avec le frère Joël. Et il a dit, en brisant la bouteille, c'était les œuvres de l'ennemi, tous ceux qui m'attaquaient. Je vous le jure, j'ai tapé plus de 3 fois ma bouteille sur le mur, la bouteille ne se brisait pas. Mais lorsque la bouteille s'est brisée, j'ai commencé à avoir faim. Et j'ai dit à Joël, je vais manger. Ils disent, non, il y a un culte, comment dire, à midi. Donc après la prière, tu peux aller manger. Je ne pouvais pas, je dis, je vais manger. Oh, plus de 3 mois, je ne mangeais pas. C'est ce qu'un plus radieux, je n'ai pas fait. Tous les examens, j'avais fait. Et c'est mon mari, il était parti en mission et il a vu, il ne sait pas où ça. Il dit, ah, il y a un prophète à Dibou, et ce nom, Joël Crasso, que je t'ai envoyé là-bas. Je dis non, je vais mourir. On a tout fait, on ne voit rien, je vais mourir. Il dit non, que si tu meurs, quel sera ton témoignage? Il dit non, que si je veux que je ne reçois pas la guérison, partout sur mon nom, je veux partir. Il dit qu'il faut partir. Et c'est comme ça que nous sommes venus. C'est ce moment dit qu'on est venu, bon, il ne nous a pas reçu. Mais quand nous sommes arrivés, j'ai dit une parole, il dit, ah, je suis venu chez ta face. Que c'est à cause du mariage que je vais mourir, tout à mes ennemis que tu as dit que je suis venu pour me marier. Donc je suis venue avec les prières, Le dimanche où on devait partir, il est venu faire le culte. Et quand il a fait le culte, il a fait notre dernier bain. Et au cours du culte, il chantait quand il dit, mes yeux sur toi. Je ne pouvais pas m'arrêter, donc j'étais assise. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, c'est toi qui veux chercher ta personne, je veux chercher un nom. Bon, attends, ce cantique, touche-moi, fais quelque chose pour que je parte à bien pour rendre témoignage. Et bizarrement, j'étais là, j'ai senti qu'une main m'a touché, mais c'était glaçant. Au moins, je voyais dedans, je n'étais pas. Et par là, j'ai retrouvé ma guérison. Donc, d'un commun accord, moi et mon époux, on a décidé de venir rendre gloire à Dieu. On n'a rien. On a mis au fond de 50 000 pour bénir son nom, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes un ministère prophétique. We are a prophetical ministry. Que ce soit par moi, que ce soit par un serviteur de Dieu ici, Dieu agit toujours. Je bénis Dieu pour ton témoignage. Bless God for your testimony. Vous savez que le prophète n'est plus le prophète de la Côte d'Ivoire seulement. The prophet is not only for Côte d'Ivoire. En dehors de l'église, je travaille. For the church, sur les réseaux sociaux, je travaille. Social networks, pour aider l'extérieur. People abroad. Et donc je suis moi-même épuisé. Donc cette année, on s'est organisé. This year we're good. Cette année, je ne reçois maintenant que les samedis. I only meet people on Saturdays. Samedi, je ne travaille pas. Ça ne fait plus de délivrance. Ceux qui étaient là hier, ils ont vu que j'ai reçu tout le monde. Yesterday. C'est la nouvelle année. Pour dire aux gens, it's a new year. Just tell to people. Je ne suis plus en congé. Je reprends mon travail. Tous les samedis, le boulot. Every Saturday. Si y a une veillée, if there is a day, c'est dans la soirée que je vais travailler. I'll meet people. Si comme on a la veillée de ce vendredi à Zaroko, as we have next week. Si vous voulez me voir ici, ça partit de 18h. Parce que ça me permet de me reposer. Quand tu viens, on est fatigué.
je vais me reposer. Et si je dois recevoir les gens, c'est tard dans la soirée. Souvent, les gens, eux, viennent nous montrer l'heure à qui on doit les recevoir. Et souvent, c'est la soirée. Quand vous venez ici, adaptez-vous avec un autre programme. Donc, c'est à partir maintenant, tous les samedis. Tous les samedis, à partir de 11h, je reçois jusqu'à 15h, 16h. Maintenant, si jamais il y a une veillée vendredi, c'est à partir de 18h sur les réceptions. Donc, nous allons vous recevoir cette année. Mais ça ne dépendait pas de moi. C'était une question de programme. Voilà, donc, je suis en France. Et c'est Barou Olivier. Il était une sorcière, mon oncle m'a dit. Mais depuis que je suis arrivé ici, le prophète a prié pour moi. Il a tout avoué. Il a dit, il a gardé le coucher, mon papa, tout cela, il a tout avoué. Le prophète a prié pour moi. Par la gloire de Dieu, je sais que ça va maintenant. Je vais l'adorer de tout mon cœur, de tout mon esprit. Je vais m'attacher à lui au nom de Jésus. Je vais chanter un chant pour lui. Je veux seulement dire merci à Dieu. Au-dessus de la puissance de Dieu. Nous allons tout de même aussi écouter le témoignage de la sœur qui est Massengé. Massengé Angèle. La première fois que ma tante m'a initiée, je ne croyais plus à Dieu. Elle a échangé mon âme. Elle a échangé toute ma vie. Je ne croyais plus à Dieu. Initiée à quoi? Elle m'a initiée. Dans la nourriture. La sorcellerie ou la. Je ne croyais plus à Dieu, je ne peux plus rien faire de ma vie. Je ne partais pas à la mosquée, je ne partais pas à l'église, je ne faisais rien dans ma vie. J'ai vendu mon esprit, j'ai vendu mon intelligence, je ne faisais rien dans ma vie. Quand mes camarades me disent, allons-y à la mosquée, je dis, je ne veux pas. Quand ma maman me dit d'aller à l'église, je dis, je ne veux pas. Jusqu'à un jour, ma tante est venue. Abidjan, elle dit un jour, allons-y, t'as soulevé la vieille, 3 jours. Il dit, d'accord, il a compris. Tu es venu ici, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venu. Je suis venu. Moi, je pensais que c'était pour venir soulever la vieille. Déjà, je suis venu me délivrer. Quand je suis venu, le pasteur Philippe m'a appelé. Nous a demandé. Je ne voulais pas parler. Jusqu'à les gens me disaient de parler. J'ai dit d'accord, j'ai parlé. Il m'a demandé, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à confesser tous mes péchés que j'ai fait. J'ai commencé à parler, j'ai commencé à confesser. Le pasteur Philippe dit d'accord, il a compris, il va prier pour moi. Le prophète est venu. Le prophète m'a demandé, tu as fait quoi dans ta vie? J'ai dit, j'ai gâté la vie de beaucoup d'hommes. J'ai tué des gens. J'ai commencé à confesser. Le prophète a prié pour moi. Depuis ce jour, je crois à Dieu. Je sais que j'ai un Dieu qui existe dans ce monde. Depuis ce jour, je crois à Dieu maintenant. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, elle était sorcière. Vous voyez dans son expression, dans ce qu'elle vient de dire, prouve qu'elle est une petite fille musulmane. Voilà, petite fille musulmane. Donc, la sorcellerie n'a rien à voir avec religion. Et nous bénissons le Seigneur pour sa délivrance. C'est ça qui est plus intéressant. Parce que si elle n'était pas délivrée aujourd'hui, elle allait faire encore trop les dégâts. Elle avait tué déjà combien de personnes? Combien de personnes t'as tué? 5. 5 personnes. Elle a commis beaucoup de dégâts, détruit la vie de sa mère. Elle avait initié ses frères et sœurs, la sorcellerie. Et puis gloire à Dieu qu'elle est délivrée aujourd'hui. Amen. Ma mère, que c'est Evelyne et Deborah.
J'étais sorcière, c'est ma petite sœur qui m'a mis sur la sorcellerie. I've been gifted by my genius sister. Ma maman m'a envoyé sur le venir ici. And my mother brought me here. Elle me suis confessée, elle dit ce qui est fait. Elle le vendredi, le prophète a prié pour moi. Je suis délivré. Donc je sais maintenant que Dieu existe dans ma vie. Que rien change dans ma vie. Je sais que je suis délivré. J'ai tué combien? J'ai tué 4 personnes. Dans la sorcellerie, tu avais tué 4 personnes. Oui. Et tu avais fait combien? Tu avais fait des chats. J'ai bloqué la vie de ma tante. Et j'ai gâté le commerce de ma maman et ma tante. Et je suis délivré. J'ai dit merci à Dieu de m'avoir délivré. Alléluia. Délivré. Je suis délivré maintenant. J'étais sorcière, c'est ça? I was a witch. Je suis initié par de mes papas. Maintenant, je suis venu ici. Now I came here. Pasteur Philippe m'a demandé. Il dit, je suis sorcière, il dit, oui. Il dit, il a gâté quoi? What did I do? C'est de gâter le travail, l'école, et puis attacher ma maman. J'ai gâté le travail de mon papa. C'est ça, maintenant, j'ai parlé à le prophète. Maintenant, il a prié pour moi. Maintenant, je ne vois rien, je ne vois rien maintenant. Je ne vois rien maintenant. Ça va maintenant? Ça va? Ça va maintenant. Tu es délivré. Je suis délivré. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus libre? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la délivrance? Qu'est-ce qu'il a dit? Quel est le mot? For a deliverance. Alléluia. Amen. Dieu merci. Thank you, God. Petit là-bas, père. Parle à nous, Dieu. Elle dit Dieu merci. Say thanks, God. Dieu merci. Vas-y. Vêtement. Elle dit Dieu a fait des bonnes choses pour elle. God has done good things for her. Elle a tellement fait des bonnes choses pour elle. Elle était malade, elle ne pensait pas que c'était l'enfant. Elle est venue ici. C'est ici qu'elle a eu l'information. Elle ne pouvait pas marcher, on la soulevait. Maintenant, elle a eu la guérison. Voilà, parce qu'elle était malade, elle dit merci au Seigneur. Elle dit merci que le Dieu, Dieu donne la force au prophète pour continuer son travail, pour aider tout le monde. Elle dit Dieu merci. Thank you, God. Alléluia. Amen. Dans le verbe de Dieu, ma femme, on a tellement malade. Je vais parler en français. Ça va, j'y ai eu. Ouais, vas-y, dans le verbe de Dieu, ma femme était malade. Sa femme était malade. Gravement même. Elle était gravement malade. Sick. Donc, elle est là. Pour faire passer, le croissant est venu à Yipria. Prophet came in Europe. Il vient à Yipria, il est parti là pour aller prier là-bas. For prayers. Le pasteur dit, ah, femme là, elle a fini avec lui. Elle dit que si tu veux, tout le monde peut dans mon lit. C'est pas fait, et bien, Dieu vous ne fait. Elle est venue, le prophète est venu chez lui. Sinon, on l'a déjà tué en sorcellerie. Ils ont déjà mangé, ils ont déjà tué. Voilà, c'est tout, c'est le corps seulement qu'elle a. Qu'elle est venue ici. Quand le prophète a prié pour elle, elle a la guérison. Voilà, elle a la restauration. Elle dit merci. Merci au Seigneur. Oui, il ne peut pas dire grand chose, mais tout ce qu'il peut dire, c'est dire merci. Il n'y a pas plus grand que merci. C'est à cause de sa femme. Il est. Bon, on va la bande sur le dos. Bon, si ça Kenya sur là, le fait, on va finir ma à la tato là, à la parce que Kenya est durant l'année, mauvais du coup, à la vous pisser, à la vous boire que le fait. Il est mauvais gens, tu n'as qu'à le brûler. Monsieur, fire them, and fire on them. Donc, pour nous, à quand on veut, bon, pour nous comme ça, on ne sait qu'à
Il est à drone. Il a fait les sorcières, ils ont donné l'esprit du grenier. Dormi quand il boit seulement. Un cadre, il m'a agouté. Tant qu'il ne boit pas, il ne bouge pas. Il faut que je finisse d'abord. Drone avant de passer. Oh, la petite fille, il a détruit un drone. À cause de Dieu, le Seigneur l'a enlevé dans le drone. Il ne va plus boire. Sini beta Europe ya o. Tomorrow I'm going to Europe for you. Dorobe. Lui dit demain il va Europe pour ya o. Dorobe est là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce qui est intéressant en tant que ministère. Nous ne divisons pas les gens. Malgré les aveux de l'enfant, qui a même détruit sa mère, qui a même détruit son père. Nous avons réussi à les mettre ensemble. We're trying to put them together. Non seulement délivrer l'enfant de la pratique de la sorcellerie et délivrer les deux parents. And deliver que la gloire revienne au Seigneur. The glory. Voilà, que Dieu délivre. Que Dieu bless. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Nous lui rendons toute la gloire pour tout ce qu'il fait.